Ouais. Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, ça va. Alors, je vais me présenter. On va faire un exercice super facile parce qu'il y a énormément de bruit tout autour de nous et on va essayer de créer une bulle, une bulle de pleine conscience pour simplement parler d'une expérience, la dégustation, mais parler aussi de la présence. Voilà. Je vais d'abord me présenter rapidement. Donc, Morgane Deschner, je suis ingénieure agronome, spécialiste café depuis quand même quelques années maintenant, à la fois sur la partie des enjeux producteurs et en même temps sur la partie analyse sensorielle où j'accompagne des marques, des producteurs aussi à justement mettre en avant leurs produits, leurs spécificités et toujours, et j'ai la chance d'avoir pu travailler avec des marques qui étaient quand même assez engagées sur les enjeux de développement durable, l'agroforesterie, etc. Alors, on peut parler de la dégustation, donc je vais rentrer dans le vif du sujet, mais en fait, quand j'ai commencé dans le café, j'avais coutume de dire le café tisse notre quotidien pour le meilleur et pour le pire. J'ai commencé dans le café dans les années 2007. Et à ce moment-là, en fait, effectivement, le café, on n'avait pas la variété de produits qu'on peut avoir aujourd'hui. Et donc, il y avait cette question de savoir est-ce qu'on va pouvoir avoir un bon produit et comment est-ce qu'on peut utiliser donc ce produit-là. Donc, si on parle de dégustation de café, on peut en parler par le prisme de l'analyse sensorielle. Et là, aujourd'hui, on est dans une filière quand même qui est très organisée, qui est très structurée, où on va savoir utiliser les différents ressorts de l'analyse sensorielle. Qu'est-ce que c'est l'analyse sensorielle? C'est l'analyse par justement les différents sens. Donc, comme vous savez, on en a au minimum 5. Et on va utiliser donc la vue, l'odorat, le toucher, l'ouïe et la gustation, évidemment. Justement pour décrire un produit, une expérience qu'on ferait. Alors ça, ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, on est des êtres polysensoriels. Nous, les humains, même si on a eu tendance à valoriser énormément la vue qui régit 80% de nos perceptions, et en fait, on a aussi tous nos autres sens, mais qui en fait vont nous induire, avoir une incidence sur notre façon de nous relier, d'apprécier quelque chose. Enfin, voilà. Donc il y a tous ces différents sens. Mais ça, aujourd'hui, donc on est capable de décortiquer les différents éléments dans l'analyse sensorielle, dans une torréfaction. Dans une boutique, de savoir quels sont les différents éléments qui auraient justement une incidence sur votre choix pour tel ou tel produit. Là, c'est pas ce qu'on va faire. En fait, aujourd'hui, on va essayer simplement de revenir à quelque chose de plus fondamental, à savoir quelque chose qui est plus intime, c'est-à-dire quel usage on va faire du café et comment on va pouvoir le déguster en pleine conscience. Alors, pour le déguster en pleine conscience, je ne sais pas si vous savez ce que c'est que la pleine conscience. La pleine conscience, en fait, c'est une pratique de méditation laïque qui a été développée dans les années, vers 94, donc c'est quand même assez précis. Donc c'est simplement, on va faire un exercice de ce genre-là avec cette idée d'être dans une attitude donc de non-jugement et d'auto-observation qui va favoriser la conscience de soi. Et on ne veut pas changer. On veut simplement être présent à ce qui est là, ou bien ce que les latinos sont très forts là-dedans, ils vont parler de aquí y ahora, ici et maintenant, et dans tout ce qui est des méditations, que ce soit le zen, le bouddhisme, etc., on va essayer de revenir à ça. Les enfants sont très forts pour nous ramener à ça, justement, puisqu'en fait, eux, ils sont toujours dans le ici et maintenant, sans projection. Et ils nous enseignent aussi cet élément-là. Donc là, l'idée, ça va être de dire, OK, la dégustation en pleine conscience, comment on va... Donc, je vais vous proposer un petit exercice, puis ensuite, je vais expliciter certaines choses. Et donc, par exemple, là, vous allez fermer les yeux et vous allez essayer de rester juste à l'intérieur de vous. Donc, je fais l'exercice aussi, comme vous, hein, sinon... vous allez fermer les yeux, vous allez poser vos mains sur vos genoux, si vous le pouvez.
et de basculer un petit peu votre bassin vers l'arrière en fait, et vers le haut, de vous détendre, et là vous allez prendre trois inspirations, donc une inspire, on inspire, 1, 2, 3, 4, et on va expirer, 2, 3, 4, on va réinspirer, 2, 3, 4, et on va expirer, 2, 3, 4, et une dernière fois, 1, 2, 3, 4, et on expire, 1, 2, 3, 4. Là, vous prenez vos épaules et vous allez les mettre un petit peu en arrière. Et là, déjà, vous êtes un peu plus serein à l'intérieur de vous, donc vous êtes potentiellement plus à même, en fait, de pouvoir faire l'expérience de ce qui va se passer ensuite. Alors, l'air de rien, cet exercice-là qui est hyper simple, hein, c'est vraiment ultra simple. On a respiré 15 secondes, vous pourrez réouvrir les yeux. Mais en fait, c'est un exercice que moi, dans mes cours d'analyse sensorielle que je fais avec certaines marques qui vendent notamment en grande distribution, je fais cet exercice-là, notamment quand j'ai des gens qui arrivent très dispersés, ils sont en train de penser à tel projet, à tel autre, etc. Or, qu'est-ce que c'est que le café ? Le café, quand on consomme le café, quand vous avez cet usage du café, qu'est-ce que vous faites ? Vous allez prendre cette boisson, éventuellement aller vous mettre vers la machine, et puis vous allez goûter, vous allez prendre la tasse, éventuellement l'humer, et ensuite la boire, et après ça vous relier. Donc là, l'idée, c'est vraiment juste de prendre en conscience que pour en maximiser les effets, eh ben, vous allez faire ce petit exercice d'être présent à vous-même, simplement pour mieux apprécier ce que vous allez pouvoir goûter par la suite. Et en fait, c'est juste du coup un exercice qui va vous permettre d'être en présence, donc au niveau sensoriel. Donc je vais vous servir le café, mais donc dans cette idée de inspirer, de respirer et tout d'un coup de boire, d'apprécier avec tous vos sens la vue, peut-être de faire taire la vue, juste l'espace de une seconde en fait, juste de prendre ce temps-là pour respirer, inspirer et là être présent à ce qui vous est proposé. Dans un salon comme ça, il y a des cafés extraordinaires qui nous sont proposés. Et nous, les cafés, on est habitués. Voilà, le café, c'est le rythme, ça va vite. Il y a un côté très staccato là-dedans. Et en fait, c'est lié. Et d'ailleurs, Nestlé et d'autres grandes boîtes le savent bien, qu'en fait, il y a un lien entre le PIB, le produit intérieur brut, et la consommation de café. Le maximum étant atteint chez les Finlandais, avec toutes les... Enfin, à l'époque, c'était ça, mais... En gros, donc, il y a vraiment ce côté-là. Donc, on a l'efficacité et on a, de l'autre côté, la partie plus du rituel. Donc, ça, c'est plutôt pour renforcer votre compréhension du rituel que je vous propose cet exercice-là. Donc, on va se centrer et ensuite, on va aller vers les autres et pourquoi pas partager son expérience. Alors, pourquoi je dis ça ? En fait, le café, dans toutes les cultures du monde, et notamment en Éthiopie, et le café qu'on va goûter, c'est un café d'Éthiopie, c'est une boisson qui est une boisson de reliance, en fait. C'est pour ça que je disais partage. C'est une boisson de reliance, c'est-à-dire que quand on veut échanger avec quelqu'un, on va lui proposer de lui faire un café, même si au final, cette personne ne boit pas de café. Et donc, dans cette... Dans cette présence-là, l'idée, c'est de pouvoir partager sur son expérience, pourquoi pas de la gustation, et d'utiliser en fait ce moment de dégustation pour simplement, en étant vraiment présent à soi et présent à l'autre, du coup, eh bien, d'arriver à bien décrire et à bien être dans l'instant présent. En Éthiopie, ils vont un peu plus loin que ça, puisque dans la cérémonie du café, parce qu'en Éthiopie, ils ont cette culture ancestrale du café, dans la cérémonie du café, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils ils font brûler de l'encens traditionnellement. Donc, ce sont seulement les femmes qui préparent le café et ils vont brûler donc de l'encens. Ça permet en fait tout simplement de laisser ce qui était... Ouais, je veux bien. Merci beaucoup, Marie-Hélène. Voilà, de laisser de côté ce qui était là, ce qui était avant de rentrer.
Donc, voilà. Donc là, vous allez refaire cet exercice avant de goûter. Vous n'allez pas goûter tout de suite. Vous allez simplement, donc on va vous distribuer le café. Et l'idée, ça va être vraiment ça, de observer. Vous allez observer vos sensations, vos perceptions. On va prendre juste le temps de re-respirer parce qu'il y a beaucoup de bruit autour de nous. Et ensuite, vous allez sentir et vous allez voir si effectivement ça vous plaît. Ça vous plaît ? Est-ce que ça vous est agréable ? Ou est-ce que ça vous est désagréable ? Et d'arriver à ça, en fait, c'est pas c'est bon, c'est pas bon, mais ça m'est agréable ou ça ne m'est pas agréable. Et en fait, là-dessus, il y a déjà un premier postulat qui laisse la place pour celui qui a préparé, voilà, de dire voilà, ce qu'il a préparé. Donc il y a l'intention, le fait d'aller vers, et aussi le fait de laisser de la place justement à l'échange, puisque en fait on va être en curiosité et on va pouvoir dire ah oui, en fait c'est un peu trop amer pour moi, donc je n'aime pas. Donc on va pouvoir amener certains éléments, et là-dessus on fait de la place à une forme de diversité, à une forme de voilà, ça va jusque là, c'est clair ou pas? Du coup, je voulais déjà dire ça. Donc si vous prenez cette tasse là, donc on a dit vous allez vous centrez, vous fermez les yeux, et là vous allez humer la tasse en prenant une grande respiration, mais plutôt par le ventre, humer la tasse. Et puis vous allez questionner un peu ce que vous ressentez. Donc peut-être certains voudraient dire quelque chose. Voilà. Et l'idée, ça va être vraiment de voir comment votre corps va réagir en fait à ce que vous allez boire. Donc on peut en prendre une petite gorgée. Alors quand on goûte comme ça, on se dit oui, bien sûr, c'est du café, mais on est un peu surpris peut-être par l'acidité. Une pointe un peu d'amertume aussi, qu'on sent bien. Et en même temps, on sent ces notes florales. Voilà. Et en fait, c'est juste ce petit ajustement. Vous êtes pas, c'est vraiment juste d'être présent à ce que vous sentez. Est-ce que ça vous est agréable, désagréable ? Et c'est tout à fait OK de dire, en fait, je n'aime pas le café que tu nous proposes. Après, on peut faire toutes sortes de critiques, etc. Et rentrer ensuite dans l'analyse. Et vraiment juste d'être dans cette présence-là, où finalement, le fait d'être présent nous permet aussi, peut-être, d'aller vers juste se contenter d'une quantité un peu moindre, parce qu'on justement, on est apaisé de l'intérieur, et que cet apaisement de l'intérieur nous permet de rayonner vers l'extérieur, enfin, de nous nourrir de ce qui est là présent pour nous. Voilà, est-ce que ça... On reprend une gorgée ? Est-ce que là, vous voulez en discuter un peu avec votre voisin, éventuellement ? Dire quelque chose ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Tu sens pas d'amertume, Marie-Hélène ? Non ? Tu sens pas d'amertume, ok. Mais qu'est-ce que tu sens, en fait ? Ce qui m'intéresse, c'est ce que tu sens. Alors voilà, donc ça peut être aussi simple que ça. Et ensuite, on va ramener d'autres éléments. Donc là, on est dans à soi. Déjà, on a bu déjà seulement peut-être 3 gorgées, mais c'est déjà ces 3 gorgées nous ont peut-être suffi. Il y a toutes les tasses qu'on a déjà bu dans la journée, ça joue aussi. mais voilà, donc il y a déjà ce premier élément. Et donc là, on a déjà minimisé un certain nombre de choses autour de nous pour justement pouvoir être réceptif à ce qui va arriver, d'accord ? Et donc, on va pouvoir l'utiliser pour échanger avec les autres. Un temps pour soi, le café nous permet de nous recentrer, et un temps pour être ouvert aux autres. Et ensuite, on va amener d'autres éléments. C'est là où c'était important pour moi de parler du partage et du partage d'un certain nombre de valeurs. Et donc, parmi ces valeurs, en fait, dans le café... Depuis des années, sous les caféiers, moi j'aime bien dire sous les caféiers, la forêt, en fait, derrière les caféiers, il y a l'agroforesterie, et donc vous pouvez vous relier avec tout ce qui vient de cette plantation, enfin de la plantation dans laquelle ça a été fait, donc dans la région de Yirgachev, peut-être l'histoire de cette région, donc les baristas, ils savent très bien le faire, hein,
je vous encourage, mais quand vous êtes chez vous, simplement, vous reliez à cette histoire et vous reliez à toutes ces mains qui ont participé. Et il y en a énormément qui ont participé à la qualité de ce produit-là, en fait. Et simplement, par le fait de se relier et d'imaginer, en fait, le voyage de ces grains de café qui sont arrivés, justement, jusqu'à vous, et bien, vous allez pouvoir arriver à une expérience de conscience par rapport à tous ces enjeux-là. Sachant que dans le café, en fait, vous avez aussi donc énormément de valeurs qui sont véhiculées, à la fois peut-être de l'équanimité, c'est-à-dire en termes de partage de la valeur, de partage de la relation, en fait. Aujourd'hui, c'est un des grands changements, en fait, de notre de la production de café et de la consommation qu'on peut en faire. C'est notamment qu'on est dans des relations qui sont beaucoup plus, entre guillemets, équitables, pas partout, mais en tout cas qui peuvent être beaucoup plus équitables, équanimes, dans le sens où finalement il y a une égalité. Équitable, c'est, on parle d'équité, mais égalité, c'est encore différent. Donc équanime, c'est vraiment que ça puisse être juste, et cette question-là, elle reste cruciale. Il y a des tables rondes dans les prochains jours qui permettront de parler de ces sujets-là plus en détail et de façon beaucoup plus technique. Vous avez ça, donc, et vous avez aussi les autres enjeux, à la fois les services environnementaux qui sont rendus par les caféières, par exemple, à savoir que les caféiers vont pousser sous l'ombrage, pourvu que vous choisissiez les bons cafés, qui vont pouvoir pousser dans une façon qui va respecter à la fois l'environnement, qui va respecter aussi les hommes, le milieu, etc. Au départ... Pour parler de ça et donc de cette conscience en fait qui s'éveille et qui se partage, je pensais vous servir un café d'Inde qui est produit par des amis producteurs qui travaillent avec pas mal de torréfacteurs aussi en France. Et ce café-là, en fait, par l'évolution de leur façon de leurs échanges commerciaux, ils sont allés vers de l'innovation technique très, très importante, justement, pour réussir à lutter contre des escargots, lutter contre un certain nombre de maladies, de champignons qui sévissent dans leur plantation, avec toujours les questions de la mousson, etc. Mais donc, on est dans des écosystèmes qui peuvent être extrêmement variés et très différents en fonction des pays. Et donc, dans le café, et le café... Ce que je vous invite à goûter en disant, c'est pas qu'est-ce que vous buvez, qu'on vous dise à chaque fois que vous rentrez dans un coffee shop, et souvent l'omission est faite, encore trop souvent, et ben voilà, qu'est-ce que tu bois, ben tu bois ça et ça a été produit par telle personne ou telle coopérative de personnes. Les coopératives sont très intéressantes aussi. Donc voilà, donc ces différents éléments, donc ils vont parler à la fois du partage des valeurs, donc on a dit un partage, un temps pour soi, la boisson, qu'est-ce qu'elle vient de nous apporter, qu'est-ce qu'elle va éveiller chez nous. Sachant que c'est une boisson qui nous met en éveil, en fait. Hein. Coffea, c'est la boisson qui excite, puisqu'elle vient nous réveiller et elle est utilisée notamment pour ces vertus-là. Nous relier aussi aux autres, nous relier au monde et nous permettre de prendre conscience aussi du monde dans lequel on est et de mettre en lumière, en fait, les différentes façons dont le café pousse, mais aussi... dont le café pousse, mais aussi dont les différentes productions agricoles vont pousser. Et de quel type de relation est-ce que ça parle? Et de quel type de consommation aussi est-ce qu'on est le tissu? Et donc progressivement, en fait, on peut se laisser modifier, modeler un peu par notre consommation de café, qui nous inspire peut-être d'aller vers des pratiques plus agroforestières aussi pour nos autres productions, que ce soit du blé, que ce soit... le chocolat qu'on va consommer, mais aussi les fruits. On a des systèmes agroforestiers qui existent en Europe, en France aussi. C'est en train de revenir. Il y a beaucoup de vignerons qui replantent des arbres dans leurs vignes, qui laissent les herbes pousser haut, etc. Donc il y a toute une curiosité qu'on peut développer aussi par la conscience de ce produit tropical qui a besoin aujourd'hui de forêts pour pouvoir lutter. On a un temps qui est assez court ensemble, hein. Mais moi, ce sur quoi je voulais insister, c'était ça, c'était le partage de... Donc j'ai déjà insisté, mais les valeurs
de réciprocité dans les échanges, d'équanimité, peut-être dans la valeur, en fait la valeur économique, ça c'est un sujet qui manque encore à être développé pour les producteurs, des valeurs environnementales, des valeurs aussi de... En fait, on est tous dans ce même bateau, notre planète, hein, notre système fini qui est la Terre et qui nous offre des possibilités importantes, mais sur lequel on a tous le même climat et on voit bien quelle incidence ça a. C'est aussi un support de joie, d'espérance aussi, de voir que en fait, les échos qu'on peut avoir dans différentes régions du monde se font et que tous les produits vont être différents. Et en fait, par cette dégustation, comme je suis en curiosité, je peux à la fois me ressourcer, donc vraiment avoir tous les bienfaits du café pour lequel je suis ancrée aussi. Le café est une boisson qui ancre. Pour les gens qui font de l'ayurveda, etc., c'est une boisson qui va vraiment ancrer et qui en même temps permet de se nettoyer. Et c'est une boisson puissante qu'on a on a tendance à consommer en quantité, mais en fait, peut-être qu'une tasse nous suffit, en fait. Peut-être qu'une demi-tasse nous suffit. Voilà, donc je voulais vous dire ça. Je voulais vous dire aussi qu'il y avait un côté... peut-être un café... Enfin, peut-être que du coup, le café redevient un café politique. Dans le cours de l'histoire du café, le café a été interdit. Il a été interdit en Angleterre parce qu'on parlait trop de politique. Il a été interdit à la Mecque parce que c'était là où, en fait, il y avait de l'opposition qui était en train de se fomenter. Et on ne parle pas d'il y a très longtemps. Hein. Le café, c'est une boisson qui a 250 ans pour notre nation, pour notre culture européenne, en fait. Mais c'est relativement récent, quoi. Ça vient avec le siècle des Lumières... tout ça. Enfin, donc voilà, d'avoir conscience de ça et aussi du rapport à la terre que ça implique, du rapport aux hommes que ça implique et potentiellement si demain on doit consommer moins de produits parce qu'en fait on va devoir payer plus cher le café pour que le producteur lui il ait davantage de la valeur ou payer plus cher le café parce que simplement les rendements ont diminué comme ceux qui sont dans les AMAP pour chez vous. Le producteur a eu moins de rendement parce qu'il y a eu des aléas climatiques, etc. En fait, peut-être qu'on va lui payer plus aussi à lui et peut-être qu'on va consommer moins de café. Puis peut-être que le torréfacteur, avec l'augmentation du coût du gaz, etc., on va devoir consommer moins de café. Et en fait, on ne va pas seulement devoir consommer moins, mais on va avoir soif d'en consommer moins, de venir à cette espèce de... Chez les Grecs, on parle des épicuriens. Les épicuriens... Ce ne sont pas des ascètes, ce sont des gens qui savent très bien ce dont ils ont besoin, sans les excès. Et cette discipline épicurienne, donc qui fait qu'ils sont aussi des gens qui savent apprécier les bonnes choses, et bien leur permet de simplement être citoyen du monde aussi, hein, citoyen de la cité, hein, de la cité, et puis simplement d'être au monde. C'est pour ça que... quand Marie-Hélène m'a proposé merci d'avoir cette discussion là sur déguster en pleine conscience, partage et rapport au monde, en fait il m'a semblé que c'était intéressant d'aborder ces différents éléments, à la fois l'intime, l'écologie intérieure, l'écologie extérieure et du coup d'une certaine façon une envergure un peu plus politique et voilà, je voulais simplement vous partager ça aujourd'hui. Merci. C'est tout. Bien, merci beaucoup. On clôture cette journée en beauté et on vous dit à demain matin pour encore plus de conférences. Passez une bonne soirée et buvez du bon café.